Jordan Bardella, président du Rassemblement National, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être en direct avec nous pour cette émission exceptionnelle. Un film qui est quand même sorti dans l'espace, à bord de l'ISS. Absolument. Ah, oui, je jure que c'est normal. Oui, mais alors, on l'a demandé gentiment. Allez lui refuser quelque chose à Thomas Pesquet, c'est difficile. Ah oui. Ouais. Et en combien de temps il a été livré? Non, il est parti avec? Comment ça s'est passé? Non, il est parti avec la série. Le film, il a fallu faire passer par un tout petit tuyau, parce que, grande surprise, le tuyau entre nous et l'ISS n'est pas si gros que ça, en fait. Ils n'ont pas un Internet de ouf, donc... Dans Balance ton poste, il y a quelques semaines, je vous ai dit, prudence, les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Vous m'avez dit, mais on voit bien que vous êtes en train de vous faire dépasser, machin. Posez-vous la bonne question, vous êtes venu, vous êtes repassé devant. Et c'est pour ça que je suis revenu, d'ailleurs. Bah, voilà. C'est une blague. Ah, tiens, c'est l'île des présentateurs télé, tu crois? Non, mais je connaissais pas l'île Melon dans le Finistère. C'est dans le Finistère. Mais il est pas sympa, Christophe Persson. Attends, nous, on n'est pas les grosses têtes, hein. Et alors là, pour pas perdre tous les téléspectateurs, faudrait vous mettre à poil, ça vous dérange pas? Il a dû le voir sur une petite machine comme ça. Oui. Mais il a aimé. Je sais pas, j'ai loupé son coup de fil. Ah oui. Je peux raconter un truc qui m'énerve. Ouais. Quand je reçois sur mon téléphone un numéro que je connais pas, je réponds pas, comme à mon avis beaucoup d'entre nous, parce que c'est souvent des machins de téléphone, de trucs, de voilà. Donc je réponds pas. Bah c'était lui de l'ISS. C'est exactement ce qui est arrivé à Pierre Ninet. Pardon, je t'ai coupé là. Ah non, c'est ce que j'allais dire. C'est affreux. 200 ou 400 euros? 400 si j'y arrive, 200. Si vous le pétez, c'est 400 euros. Ok, ça me va. Allez-y, mais à fond. Vous êtes prêts, hein? Ouais. 1, 2, 3. Ce matin, les pompiers sont encore à pied d'œuvre pour éteindre les dernières flammes de l'incendie qui a ravagé en grande partie ce supermarché de la côte est de la Martinique. Eh, on n'est pas trop mal, là, hein? Ah bah écoute... C'est ça, la Martinique. J'avais l'ibuprofène 800 dans une main et mon putain d'AirPod gauche dans l'autre. Et j'ai pris une gorgée de ma bouteille d'eau et puis je me suis rendu compte que c'était pas l'ibuprofène que j'avais avalé. Et j'ai essayé de vomir. Je deviens folle. Donc on fait des vidéos sur les réseaux au lieu d'aller à l'hôpital. Vous venez de Metz? Tout à fait. Et moi aussi, j'embrasse mes seins. Il est drôle, non? Oui, bah j'aime beaucoup. Vous voulez deux places pour son spectacle? Bah pourquoi pas, avec plaisir. Bah c'est pour moi, c'est cadeau. Ah d'accord. Ah c'est ouais. Parce que moi, dans mon spectacle, vraiment, l'idée de mon spectacle, c'est le vivre ensemble. Si ça peut lui changer d'avis, eh ben, il est grand plaisir de venir. Il faut s'arranger pour être heureux là, Jean-Claude. Pendant qu'on vit. Et qu'on doit rire pendant qu'on vit. Et qu'on ne doit pas attendre de se marrer au paradis. Voilà. Ce qui compte, c'est la vie.